Salut tout le monde, c'est Link, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Donc dans l'épisode précédent, j'ai eu le petit pouvoir de l'hiver, voilà, le truc ne me revenait plus en tête. Cet objet est le sceptre des saisons, le nouveau chemin, mon sourire à toi, j'ai rêvé d'une forêt à l'est, il se peut qu'il y ait une essence là-bas. Link, peux-tu y aller? Bien sûr! On va y aller, immédiatement. Vu que t'as envie que j'y aille, ben voilà, on va y aller, écoute. Donc, le pouvoir de l'hiver est à nous. C'est chouette, c'est magnifique, c'est épique, c'est... Voilà, c'est chouette. C'est romantique. Ah, mon dieu. Donc, au passage, vu qu'on tant qu'on est dans ce merdier, on va aller chercher un petit objet. Petit objet complètement épique, bon, petit objet complètement utile surtout parce que ben vous verrez bien c'est quoi, il y aura pas de soucis à ce niveau-là. Donc toi là, et si c'est le danse de ce brosier, yo, concours, nous entraînons, peux-tu te joindre à nous? Bien sûr que oui, alors viens dans le cercle. Besoin de renseignements? Non. Donc vous voyez, c'est très simple, il suffit de refaire ce qu'il fait en fait, et tout ira bien. Et tout ira bien, bon, c'est pas que c'est fort intéressant, hein, mais c'est tout comme. Oh, c'est de synchronisation. Oui. Bon, c'est pas comme si c'était fort compliqué, quoi. Allez, c'est... Oui, c'est pas comme si c'était fort compliqué. Allez hop, tu sors, dégage, t'es nul. Bon, allez, on va attaquer. Parce que comme dirait un de mes anciens professeurs, t'as raté, t'as qu'à attaquer. Hein. Ouais. Et l'homme, c'est la femme, c'était la mystérie. Ah non. Mais non! Moi je vous jure, on passait 50 ans pour faire ça! Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu! C'est pourtant pas compliqué! Ah mon dieu, je suis nul! Voilà, c'est pas dur! Enfin... Oui! T'as raison, ton niquet. Continue comme ça, moi j'aime bien, c'est facile, c'est easy. Tout va bien comme ça. Oui, continue. T'as raison. Oh. C'est bon. C'est bon. Ah! Oh fuck! Donc voilà, tout ça pour un putain de boomerang à la con, qui est très utile pour stopper les ennemis, enfin les frisés, les gelés, les perturbés, les disturbés si vous voulez. Et voilà, donc ça sera très 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 utile pour la suite des événements. Et voilà le gitan, c'est ça, ouais c'est ça, ouais. Shut up, il y en a, je sais comment ça marche, s'il te plaît, non, épargne-moi ça. J'ai tout à fait compris. T'en fais pas, je connais, tout ira bien. Oui, on se sépare, va jouer du bon jeu dans ton coin, trouve une autre souche d'arbre et fous-moi la paix, d'accord? Parce que comme ça, tout ira bien. Hop là. Et je me casse. Hop. Voilà, comme ça, il tombe dans le trou. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un coffre. On va prendre le coffre. Entre lui, c'est super! Ah, tu m'étonnes que c'est super! Là. T'emballe pas. Ah, mais non, mais le roule. On va te faire foutre. Voilà. Ah, je vous jure, c'est une de mes crayons.
Non, non, c'est ça que j'ai besoin. Pardon. Et voilà. On fout le bordel dans les saisons, c'est normal, écoutez, hein. C'est bien connu, un grand pouvoir a des... Comment ? Un grand pouvoir est digne de grosses responsabilités, ou je ne sais plus quoi, ben c'est quelque chose du genre, implique. Voilà. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, voilà, mon dieu, indigné, mais ça n'a rien à voir. Ah, tu m'as surprise ! Il est revenu si vite, et toi tu passes par ma cheminée ? Tu n'es pas le ramoneur, tu ne fais pas peur, prends cette pelle et retire la neige de mon chemin. Garde la pelle quand tu auras fini. Vous obtenez la pelle, vous pouvez creuser, merci. En même temps, avec une pelle, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre à part creuser, hein. Enfin bon. Voilà. Tout ça va bien. Sauf qu'on se mange le mauvais chemin. C'est naturel, hein. J'attire le mauvais chemin. Hop là. Hop. À poil. Oh mon dieu, passer d'hiver, automne, hiver, printemps, été, sans dingue. Le système immunitaire, il doit s'en prendre de fameux coups aussi. Graines de mystère. What? Donc, comme je l'avais dit, hein, les graines de braise, ça fait chaud, ça brûle. Les graines de mystère, hein. Mystère bout de gomme, comme dirait le crayon. En fait, c'est voilà, c'est pour ça. Ne lui parle de les graines mystérieuses, dit-il. Connard de hibou. Je change de saison. Comme de chemise, tout va bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, d'accord. Ça, je veux bien. Donc ici, il se passe rien. D'accord, ben, voilà, il se passe rien. Ah, niveau 2, Wind Serpent. Oui. Alors, ce donjon, en ai-je des souvenirs? Vaguement. De très vagues souvenirs. Voilà, 5 rubis. J'aurais su ça, j'aurais pas été chercher tout ce merdier. Mais toi, je suis sûr que tu vas crever. Toi, tu vas arriver, tu vas débouler, non même pas. Alors tu vas débouler maintenant, voilà. Les deux pareils. Voilà. Tout ça pour une petite clé, ben c'est chouette, hein. Merci. Je repasserai plus tard, hein. Enfin, si vous voulez bien. Comme ça, vous rendez une clé, et comme ça, un donjon terminé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais, méchant. Donc, hop, hop. Des petites graines de braise. Et une. Et dos. Voilà. Pom 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 pom. D'accord. Oui, ici, c'était bombina bombinette pour une zone à rubinette. Hop. Voilà. J'aime bien ça. Ce petit son. Ah. Le bruit de la richesse. Voilà. On s'est fait littéralement riche, dans tous les sens du terme. Hop là. Esquive. Esquive, esquive, esquive. Hop. Voilà. Ben voilà, ben quand je disais que le bon manga, il nous est utile. Bon, preuve. Boum. Oh, épique. Il donne un coup. Ah là, je suis content. Une action épique. Hop. Une action épique qui pique. Donc, va-t'en, ville mécréant. Tétasseur avec. Garde du donjon, d'accord. Donc, si on essaie de sauver le coffre, ça va pas aller. Vraiment, on s'en va. Aïe. Aïe. Faut que tu remontes juste quand je vais sur ton pixel. Hein. Hop. Ici des bombes, des blonds, des blobinets, des blobinets, des serpinets. Voilà. Ah, ouais, c'est comme ça, c'est ça. Voilà. Tout va bien. What? Ouais. Une petite clé. Ouh. Et ça a chauffé le pixel aussi là-bas. Ouais, lâche-moi. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée de passer par ici. Pas grave, on s'en fout. On va rendre cela nous mènera. Et cela nous mène là-bas. Ça c'est super, une magacha. Ruine serpent, on avait remarqué. Hop, hop. In your face.
Ouais, donc ça c'est grouille toi, grouille ta miche. Grouille ta miche, espèce de bitch. Ouais. Parce que sinon, si on veut pas assez vite le coffre, bon, il se fait la malle. C'est simple que ça. Aïe, ça, ça pique. Voilà, et si le coffre se fait la malle, ben ça m'arrange pas, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je crois... Je suis pas sûr, mais je crois que c'était une petite clé qui va dedans. Ben voilà. Ben voilà, vous voyez, j'ai pas une si mauvaise mémoire que ça, finalement. Enfin bon, c'est... Je dis ça, mais c'est que le deuxième donjon, quoi. Après, ça va être le bordel le plus total. Après, j'ai de là... qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais plus. Comme un petit papy tout grinché. Ah, c'est bon, on a compris que c'était les ruines. Oh. Voilà. Elles y sont passées, tout va bien. Des bombes, encore des bombes, toujours des bombes, toujours plus de bombes. Al-Qaïda le retour, les gars. Attends, t'as la cerise piégée. Enfin bon, je sais bien, il n'y a pas beaucoup de cerises bleues dans le monde, mais bon, voilà. Ça serait rouge, et ben voilà. Attends, t'as la cerise piégée. Ouh, c'était chaud, là, ce qui s'est passé. Enfin, mec, le coup d'épée m'a fait pousser vers l'avant, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, mais je remercie le dieu des pixels qui a regardé, qui a fait, ben c'est bon, je te laisse passer. Pour une fois, il m'a pas dit fuck. Je suis content. Il est sympathique aujourd'hui, le dieu des pixels. Sauf pour ça, ça c'est... Non, ça va pas, ça. Tu mets pas 10 rubis ou 5 rubis dans les coffres. Non, je veux plus. Toujours plus d'argent, toujours plus de puissance, toujours plus d'action, toujours plus d'épique, toujours plus de force, toujours plus de tout, en fait. Et moins de fail. Ça m'arrangerait. C'est ce que je veux dire, ou... Ouais. Ah, ça va. Tiens, mange ça. Boum! Boum! Oh! 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 Le bitch! Oh le bitcher! Tiens, remange-toi ça! Tiens, ça c'est pour m'avoir fait tomber dans le trou, connard! Fais! Elle fait fairy. Hop. Ça c'est fait. J'ai bien mis your face, j'ai bien mis your face. J'ai bien mis my fuck. Oula, 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 oula là. Merci de me laisser tranquille. Hop, voilà. Non, non, oui, non, non, oui, non. On peut entrer plus d'une pour rien. Vous obtenez la clé du boss. Hop là. Maintenant, une question subsiste. Si je vais par là, ton équipe descend, la salle du boss est en bas, mais je marche en bon. Comme ça. C'est bon, je maîtrise la situation. Hop. Je maîtrise la situation, tout va bien. Du moins pour l'instant. Va ton petit soleil. Hop là. Dommage. Bon voilà, même les plateformes sont avec moi, mais écoutez, tout va pour le mieux. Hop, je descends. Je fais schlack, schlack. Je fais schlack, schlack. Ah ah, oh, oh. Oh, mais pour qui tu te prends, toi? Non mais oh... Attends... T'es pris pour qui, sérieux? Tiens, bouffe! Connard... Et la canne d'entrée du boss, le boss, je me rappelle, c'est quoi? C'est pas fort compliqué. Coucou, toi! Moi, je suis ton copain. Ouais, viens, mange. Ouais. Hop. Et hop! Si tu... T'es pas fort méchant, t'es pas fort compliqué, moi, je t'aime bien. Tu veux pas être mon animal de compagnie? Je te mettrai souvent des piles dans le cul, t'en fais pas, t'aimeras bien. Ah mais depuis les abeilles de Donkey Kong Country 2, c'est bon, je me suis vengé maintenant avec les piques, hein. Même. Oh. C'est cruel, hein. Oups. Oh.
me suis fail. Ouais, mais non, ça c'est pas... Ça m'arrange pas, ça. Bam 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 bam. Hop là. Ah là 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 là. Voilà. Hop hop. Yeah. Encore mort. Encore une fois, je suppose. Et moi, j'espère. Sinon, ce sera un peu problématique. Hein. Hop. Bye bye. Ouais, super. Oh. Juste à côté du... Oups. On va remettre tout ce qu'il faut que je fasse encore des bêtises. Oups. Donc, avant que je fasse des bêtises. Non. Voilà, on y est. Waouh. Et ces soucis de cerveau là que j'ai. Waouh. Waouh, 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 waouh. Vous obtenez le don du temps, une essence de la nature. Les graines poussent plus vite quand les saisons changent. Merci, ma biche. Donc voilà, c'est épique. Et voilà, attention, comme d'habitude, l'arbre, bon, je vais nous parler. Attention. Il ne rigole plus. Merci Link, j'ai aussi reçu un peu du temps du temps, j'ai rêvé des marais à l'ouest. Il y a quelque chose là-bas, je ne vois plus rien. Le papy retourne dans ses... On se casse. Ouais. Je vais te faire du rentre dedans, tu verras bien ce que tu vas me proposer de toute manière, allez. Hop. Ouais. Tout ce qui se fait la malle, quoi. Ok, bon, écoute, je vais pas t'en vouloir. Hein. Fais du tri sélectif si tu veux, voilà. Passe un coup de balai. Arc, toi, je me souviens de toi. Oui, souviens-toi de moi. Putain, je fais n'importe quoi. Voilà. Oh mon dieu. C'est pourtant pas compliqué. Hop. On s'est cassé, on s'en va. Ah, tu as été fait toucher deux fois, d'accord. Bleu, deux fois. Sinon, bleu, pas gentil. Bon, je saurai bien comme ça. Ah, cette musique. On va aller chez Joyeux, peut-être en première. Un ami chez Résu, que veux-tu? Évaluer. Évalue-moi ça. En amitié, rien, je m'en fous, j'évalue tous tes anneaux, d'accord. Hop. Ah ouais, je sais. Fous-moi la paix maintenant. Hop. Hop. Eh ben, attendez, je vais vous montrer un truc, moi, que je me rappelle ici. Vous voyez, ça? Bah, je peux pas l'activer. En fait, si vous voulez, c'est pour la quête, la deuxième quête, si vous voulez, quand on doit rentrer des codes dans les deux jeux. Et à ce moment-là, il y a deux trois petits événements qui vous demandent, avec deux trois petits gens, qui vous demandent de rentrer des codes, et ces codes, ben, vous débloquez des objets. Et ce mec-là, ben, enfin, le mec là-bas qui son entrée sur le code qu'on avait eu sur Oracle of Ages, nous aurait donné une épée niveau 3. Complètement. Donc là vous avez une gacha, on a un anneau, et boum, disparition, et boule de ma gueule, je trouve plus le mot. Je sais plus, attendez, est-ce que j'ai son bouquin avec petite là? Donc on a le cocodex, hein. Bah, on va aller redonner le cocodex à Malone, hein, tout va bien. Hop. Tant que c'est sur le chemin. Hein. Optimisation d'itinéraire. Je suis littéralement monté par les poules. Dans le codex, il y en a. Allez, tiens, je te le donne. Vraiment, merci, prends ça, c'est un affluent. Ils font un carton chez les filles. Merci. Pour la peine, regarde, je creuse ta poule, à ton poussin. Et je lui bête ton allée. Complètement gentil. Qui sont qui sera rien, hein. Bon, ça me fait caler, je me prends. Si vous êtes pas content, faites votre let's play, hein. Non, je vous agresse pas, non, non, ne vous en faites pas. Je ne vous agresse pas, non, c'est... Voilà, c'est... Ouh, mais toi, tu vas me laisser passer, oui ou non? Ah non, il veut pas. Donc là, les graines parfums. Attirer les monstres, nanana. Juste au passage, je m'en fous de ce que ça fait. Pourquoi je vais ici? Bessir, tu te rappelles de ce mec-là? C'est ton meilleur pote. Allez, vas-y, je veux quelque chose, vas-y, je veux te mettre des millions dans ta gueule. Bah, vas-y, on va se coller des baffes, comme tu dis. Ouais.
T'es prêt? Allez, viens là! Vas-y, viens! 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 Ah, voilà! Je t'ai foutu de baf! Ouais, mais t'as bien, on va recommencer si tu veux. Yo, champ! Tu veux me battre? C'est 30 000 matchs! Te parier du rubis? Eh! Pouf! Pouf! Règle, écoute, on va se coller des baffes jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pleure et qui sort de rien. Objet interdit. Si tu enfreins le règle, le prochain match c'est un rubis, pas d'anneau, que des baffes pigées, ouais. Et juste pour le fun, t'es prêt? Allez, viens là! Oh, boum! Boum! Oh! T'as compris, tiens, des baffes. J'ai perdu, t'as un bonbon, voilà, t'es 30 rubis, voilà. Juste pour montrer que voilà, c'est tout à fait faisable, hein. Non. Non. Oui. Presque. Bah, je sais plus, je m'en fous. Ouais, je fais vraiment de la merde. Plein de parfum. Les graines qui fuient, qui hument. Qui hument quoi, je ne sais pas, je m'en fous un peu de ce que ça hume. Hume le bon parfum. Hume, ça hume les bois, la nature. C'est pas par là. C'est plus vers là. On va rencontrer Ricky. La Ricky. C'est Ricky. Donc Ben, au lieu à choper ses gants, on a récupéré ses gants. C'est pour ça que j'ai été tabassé. L'autre connard. Donc là, on a obtenu la flûte de Ricky. Pourquoi? Ben, parce que dans celle-là, on a des familiers. Enfin, on peut dire en familier. On a un genre d'ours volant qui s'appelle Smosh. Smosh. Smosh, Smosh. Je sais plus. Non, Smosh, c'est... Non, Smosh, c'est un américain. Ou un anglais, je sais plus. Non, c'est moche. Il s'appelle Moche. qui est un ours volant, donc du coup il vole, il passe les trous très longs. Et l'autre, c'est Ricky, ben, Ricky Martin, là. Ricky le kangourou. Qui saute les falaises. Et le troisième, c'est Dimitri, le genre de crocodile qui nage, forcément. Et qui remonte les cascades. Voilà, je trouvais plus. Donc oui, il remonte les cascades, tout va bien. C'est un fifou, en fait. C'est un petit fifou. Et voilà ce que je vous disais sur le premier épisode de... Enfin, sur les épisodes de The Legend of Zelda A Link to the Past. Les graines Pégase. Qui ont l'effet des graines normales. Enfin, des bottes de Pégase, mais sauf que c'est constant, je veux dire. J'utilise, vous voyez. Ben, c'est comme je veux. C'est tranquille, j'aime bien, c'est sympathique. Aïe. Aïe. Oh mais... Tu vas me harceler longtemps. Putain. Voilà. Putain, il m'aura sucé toute ma vie, ce connard. Saute pas ça. Non. Bon, il a pas envie de sauter ça, apparemment. C'est trop pour son grognon. Donc tu sers à rien. Attends, ici. Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette... Oh mon dieu. Cette manie de se faire troller par tout ce qui arrive. Donc là, on obtient la clé de l'écluse. On peut ouvrir l'écluse. Oh, papy. Oui, papy, dansant. Donc là, ben voilà, les graines de Pégase en action. Hop là. Tralalalol. Voilà. Il faut maintenant le chat. Hop, hop, zou. Qu'est-ce que je fais où? Zou, qu'est-ce que je fais où? Je ne sais plus, je suis faux. Oh mon dieu, je tombe dans le trou. Hop. Donc on y va, tout va bien, tranquille pépère, tranquille le chat, mange ça. Non mais oh. Harcèlement sexuel, c'est terminé maintenant, hein, j'en ai marre moi. J'en ai marre de me faire violer à chaque coin de rue. Putain, bouffe. Bouffe. Je t'ai vu venir, connard. Oh, God. toi, non, le giton, reste là. Reste dans le bas. Toi, tu vends quoi, toi? Écoute, messagesse, au sud de l'écluse, il y a un vortex. Nous sommes connectés. Et... Va te faire foutre, t'as beaucoup de ton machin ou quoi? Voilà. Et attention, vu qu'on veut faire descendre toute la flotte, bah, c'est raz de marée. J'ai pas besoin de faire un dessin sur comment on va... Bah, comment, du pourquoi ça marche pour aller pour
jusqu'au vortex. Hop. On se casse de là. On va passer en hiver. En hiver. Bien connu, il faut se réchauffer en buvant de l'alcool. Hein. faut quoi? Bon, on va y aller comme ça, on donne de Pégase. Ça va, ça plus vite. Attention, oh, dérapage, drifting. C'est incontrôlable. Hop, hop, hop. Ah, fuck, c'était pas là. Hop, donc la Ricky Martin, Wonder Stress. Quattro. Allez, viens. Ah, c'est bien, tu m'as pas trollé, je t'aime bien. Vas-y, montre-moi ça. Montre-moi ça, voilà. Oh, mon Dieu, j'ai cru qu'il allait me troller. Hop là, petite tornade. Voilà, super. Hop, on se casse. Ouais, le volcan, il est pas content. Volcan, pas content. Faites-lui une offrande, le volcan sera content. Pum, pum, pum. C'est le moment de creuser. Pourquoi je creuse? Parce que je suis né pour creuser, tout simplement. Je suis un mineur né, voilà tout. J'aimais bien être noir de suie, de cambouis, de terre, de tout en fait. C'était tout sexy. Voilà pourquoi. J'obtenais du minerai étoile. Et à quoi sert le minerai étoile, les enfants? Vous ne savez pas. Ah ben, ça sert à faire du troc. Pourquoi du troc? Parce que c'est comme ça. Oups, ça c'est pas gentil par contre. Voilà. Je vais me faire un peu de minerai. Pour faire du troc. Oh. Bah, c'est suffisant avec ça, non? Bon, écoutez, on va terminer, comme ça je tombe sur des cœurs comme ça, non? Tant mieux! Donc, tant pis, rien, c'est bon, je me cache. Je vous emmerde, et je rentre à ma maison. Bref, ouais, le market, il est là, tout va bien. Winnie Market, bienvenue chez Harpo. Je veux le ruban. Voilà, et je veux ça dans le temps, tire pêche, là, comme tu dis. Ouais. Ah, j'ai, ouais. Je suis sûr que c'est les graines de reste qui posent problème. Oh, me fuck. Bah, tant pis, au frasson. Va te faire foutre, voilà, j'aurais pas de quart de cœur. Mon quart de cœur. Et vous vous rappelez la petite autiste, là, qui était venue, et ben voilà, en fait, elle a perdu son joli ruban. Il est pour moi. Oui, il est pour toi. Okay, merci, super mignon. Tu es si gentil, j'ai tenu un rendez-vous. Galant, allons dans ce temple. De faire des choses dans un temple, ça m'arrange, allons. Allô, bon, allons-y. Barrons-nous, puisque comme vous voyez, elle a une petite clé, enfin, elle a une clé sur sur son flanc gauche, si on peut dire ça, ça dépend pas où vous la regardez, ça regarde de toute façon son flanc droit. Cette musique, complètement hypnotique, je sais pas, c'est dingue. Hop. Pourquoi je vais ici? Parce que j'ai envie. Donc je suis lapin. C'est ce que je veux. C'est pour ça en fait. Voilà. Le Richard du minerai est arrivé. Richard du minerai. Je me la joue, je dis de la merde. Hop. Tout va bien. Hop. Voilà, petite clé. Il nous faut ça machin maintenant. Une, deux, trois. Voilà. Et je vous laisse deviner quel pouvoir on va aller chercher ici. Hein. Écoutez, ce suspense. Te voilà, adorable héros. Je suis l'esprit de l'été. En été, les lianes poussent, les lacs asséchés, les lacs s'assèchent. Les gens de Hyrule disent qu'un héros avec une marque sur la main va devoir sauver le monde. Peut-être es-tu ce héros? Je vais te donner le pouvoir de l'esprit de l'été. Merci. C'est complètement génial de ta part.
Le sceptre des saisons a été béni par le soleil. Montez sur une souche pour invoquer l'été. Super. Donc, on est rendu à combien? Voilà, on est rendu à la fin de l'épisode, en fait. Donc, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, je dis bien seul que je vais faire, qui dit mieux, c'est que je vais sortir, voilà. Je sors, je vous dis merci d'avoir suivi les amis, on se retrouve pour le prochain épisode, ciao !